Salut tout le monde, c'est Ludo et bienvenue dans ce quatrième épisode de NBA 2K16. Comment allez-vous? Moi je vais super bien. Comme vous le voyez sur votre écran, j'ai décidé donc lors du choix de notre deuxième université d'aller chez les Hoyas de Georgetown. Dans cette deuxième université, nous allons jouer 4 matchs pour commencer. Et nous allons jouer contre les Hoyas du Kansas. C'est parti, première touche de balle, voilà. Ah, on voit déjà qu'il y a plus de niveau. Et voilà, les deux premiers points pour mon équipe. Nouvelle équipe donc, on découvre en même temps nos collègues. Ah, je suis super impatient de jouer dans cette université. Ah, dommage pour la bonne défense, c'est pas grave. 2-2. Alors, on remarque qu'on est passé à 6 minutes à la place de 2. Ah, premier shoot raté pour moi. C'est pas grave, on va essayer de refaire une bonne défense. Ça fait tourner. On se met en position de help. Pas de chance, c'est pas grave. On a déjà une plus belle vareuse que notre... Oh, et premier! Premier 3 points dans cette partie. On était tout seul, on en profite. Je disais oui donc, plus belle vareuse quand même. Et carrément une autre endroit alors qu'il y a un double écran ici pour le joueur conjoint défense. Voilà, on essaie d'être beaucoup plus sur notre homme. Petit help. Mauvais. Ah, je me laisse dépasser. Boxing out. Bien joué. Deuxième, et ça rentre encore! Wouh! On a profité de notre poste pour se mettre un peu plus. Alors que ici, facile, ils sont passés. Temps mort pour nous. Bon, bah ça commence déjà bien. Get some ball movement and run something on the offensive end. Keep it simple. Let's throw it down inside or run some pick and roll up top. Voilà, on nous demande de jouer simple. Alors ici on voit ball très rempli du Kansas. On raconte qui on joue. Super coupe de cheveux. Après. Ah, mauvaise passe. Mauvaise passe. C'est pas grave, c'est deux. Oh là là, bah oui. Si tu te mets derrière l'anneau, ça va vraiment pas aller, mon grand. Aïe aïe aïe. Mauvaise défense. Je vais mettre un pic. Il ne prend pas, super. Il joue tout seul, c'est pas grave, ça rentre. Ok, 2 points, 10-10. Dans ce premier carton. Alors on a changé. Dom. Ouh là là, grosse faute. Grosse faute. Première d'équipe. Allez, deux lancers francs pour l'adversaire. Tu vas les rater. Ça rentre. Superbe animation alors que là dans le public là ils dorment. Alors que de l'autre côté ils sont super chauds. Allez. On va prendre le rebond j'espère. Non, ça rentre.
C'est pas grave. Allez. Pique. Oh, shot difficile, mais ça rentre. Bien. 12-12. Pour notre meneur. Quelle super ambiance. Après, c'est toujours un universitaire. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en NBA. Enfin, on a encore beaucoup de chemin pour arriver jusque-là. Exactement. Shot. C'est raté. On prend le rebond. C'est pas lui que je voulais faire la passe. Je voulais le faire. Voilà. Je voulais qu'il fasse un rôle. Ça n'a pas été le cas. C'est pas grave. Ce sera pour une prochaine. Ok, allez. Tout seul. C'est pas grave. Je vais mettre un pic. Il ne prend pas. C'est pas grave. Bon shot, un peu forcé, mais ça rentre aussi. Pas mal, 14-12 à 1 minute 10 du fin de carton. Et temps mort pour l'équipe adverse. On mène de 2 points, on s'emballe pas trop. They are getting to the middle of the floor way too easy. Get into them on the perimeter. Posts. Rotate over and make your presence felt. Quit being so soft. Beaucoup plus d'immersion alors qu'on voit encore le banc vite. Je sais pas pourquoi. Et ils apparaissent. Bon. Petit bug, c'est pas grave. Alors qu'on a notre joueur du début, alors que ici nous sommes sur le banc. On peut se tourner. Je vais passer ce moment-là. Et voilà, petite amélioration. Donc je pense qu'on va rentrer sur le terrain. Premier carton terminé. Alors qu'on mène 19-25 dans ce premier carton. C'est pas mal pour un premier. Donc voilà, on a quand même 78,6% au tir, moins 6 points, et justement 66,7 dans ce premier carton. On va voir ce que ça donne dans la suite avec ce deuxième carton qui va débuter. Essayer de continuer une bonne défense, de rester fort sur son homme. Un match peut se gagner en défense. Donc il faut en profiter. Voilà. Que ça force. Bon. Ne saute pas. On voit que la balle est dedans. Il est ressorti. Et faute pour nous. Une belle vareuse, contrairement à celle qu'on avait pu voir dans le précédent épisode là, qui était vraiment dégueulasse. On voit que l'université est un peu un cran au-dessus. Alors, deux shots, ça rentre. 26-21. Alors, entre temps, j'ai appris qu'on pouvait mettre un bel écran simple et efficace avec LB de la manette. Donc on laisse appuyer et on peut demander un écran. Ce qui est fort efficace quand on ne sait pas se dégager. Un petit help. Oh, c'est bien. La contre-attaque. Non, ça ne veut pas. Trice dishes to Moore. Pass to Trice.
J'essaie de me mettre pas trop dans le chemin. Ça passe. 29-21. Il reste 4 minutes 45. On essaie de mettre un écran. Il shot très loin. Ok, rebond pour moi. Contre-attaque. Ouais, non, ça ne veut pas. Ah, c'est forcé. Il y avait mieux à faire sur cette attaque. Bon, on va continuer à jouer correctement défense. En help. On essaie d'aider. Enfin, il enfonce bien lui. Pourquoi il vient sur moi, je ne sais pas. Commandé écran. Ça ne va pas, ça ne va pas. Rebond. 24 secondes, mal compris. Très mauvaise attaque. Très très mauvaise attaque. Alors qu'il y a un changement pour l'équipe du Kansas. Mauvais placement du pic, on en a vu sur le côté. Après, j'avais pas demandé un roll, c'est pas grave. Ça rentre. 23-29, toujours 6 points d'avance. Ouais, bon pic ça. On écarte. Pas ce qu'il fait. Ok, ça force toujours. Mais ça rentre. Un peu de chance pour le moment, je trouve, au shot. Ça rentre pas facilement. C'est pas super bien construit, mais c'est pas grave. On arrive dans une nouvelle université, donc faut tenter de voir. Là, très bon shoot. Okay. Oh là là. Il veut tout le temps rentrer et pas ressortir. On revoit l'action. Ah, mal vu. Alors. Ça rentre. 32-26. Je reste sur le terrain avec un changement. Alors, on voit encore des animations différentes. Pas beaucoup de touches de balle pour ma part, mais c'est pas grave. Quand même 6 points. Enfin, on reste bloqué, surtout à 6 points. Je ne dirais pas que Yé joue un tout petit peu personnel, mais bon. Ah, il fallait piquer le ballon. Pas de chance. Un help qui n'a pas abouti. Et voilà! C'est parti! Utilisation du poste comme écran. Et premier dunk dans ce match, ce qui fait 8 points pour moi. Donc 35-28. Et une faute ici de Hudson. Favorable au joueur du Kansas. On revoit la faute. On ne la voit pas du tout. C'est un peu un problème. Ça, on aurait bien aimé meilleur angle de... pour voir la faute. Alors ici, on remarque aussi que quand on joue à domicile et qu'il y a des lancers francs pour l'équipe adverse, l'écran commence à trembler. Comme si c'était beaucoup plus difficile. Et pareillement, quand nous, on joue en extérieur et qu'on a justement lancé franc favorable, on a ce style de mauvaise vision pour un écran s'il vous plaît. Bon, j'ai demandé un écran. Bon, c'est pas grave. Alors que je demande le ballon. On est pas sur le moment. Bon shot.
Dommage. Point d'avance, 29-35. Attention, ce pouce là il est très très bon. Petit écran, on prend le correctement. Ouais. Voilà. Il était tout seul. Mais non, pas pour le poste. Il était tout seul, c'est dommage. Il ne prend pas ses responsabilités. Secondes encore dans ce deuxième quart-temps. Ça va être beaucoup plus intense, je trouve. Voilà, ça c'était plutôt bien joué. Oh là 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 là! Et c'est un 3 sur 3 à 3 points qui nous fait 38-29 à 27 secondes de la fin du deuxième. J'adore la vareuse. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. J'aime vraiment bien la vareuse. Le classing Jordan. Alors je vois qu'on a été remplacé pour commencer ce pour terminer ce deuxième quart-temps. Donc on est sur le banc. Je vais passer cette partie-là alors que le deuxième quart-temps est fini. Oh là là, petit bug, on se retrouve avec des jupes. Terminé. Ah ben voilà. Ben d'accord. Eh ben match terminé, 11 points, un rebond, 4 sur 5 et 3 sur 3 au tir à 3 points. Eh ben écoutez, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et je vous dis à bientôt dans un prochain match. Ciao et bon games.